Oh, Al Pacino. Jeff. Wesh. C'est comment? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça va ou quoi? Wesh, tu vas bien ou quoi? Tu vas bien? Wesh, ça dit quoi? Ça va et toi? Wesh, et toi, c'est comment là? Ça va, je vais bien. Alors Jeff, qu'est-ce que tu deviens? Moi je suis marié maintenant. Je suis marié, mais si je te montre ma femme, c'est une top modèle. Machallah. C'est un canon. Machallah. C'est elle là. Tu vois, quand les gens ils passent là, tout le monde la regarde comme ça. Machallah, tout le monde, des gros yeux, tout le monde la guette. Content et toi, tu deviens quoi, toi? Ça va, je suis là, hein. Marié, pareil. Ah, c'est bien. Tu fais quoi dans la vie, du coup? Bah là, je suis un homme d'affaires, là, maintenant. D'accord. Là, j'ai plein d'entreprises. Bien. À ce moment-là, j'ai ma boîte d'agence, là, dans D'accord. l'immobilier, là. Ok. Puis voilà, hein. Ça tombe plutôt bien pour le moment. On se fait de l'argent comme on peut. C'est bien. Comme on dit, on s'en sort, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est bien, ça. Tu vois, voilà. Il faut bien gâter ma petite top modèle. Il faut bien que je la gâte, tu vois. Ouais, bien, j'avoue. Tu vois, comme tu le vois, tu vois, c'est son anniversaire. Donc, tu vois, je vais faire un petit cadeau, tu vois, au passage. Et voilà. Et toi, c'est comment? Ah ouais, moi, franchement, ça va, je suis là. Mais franchement, là, je suis choqué. De? Mon gars, je suis choqué parce que tu me dis que c'est l'anniversaire de ta femme, mais le coïncidence fait bien des choses parce que moi, c'est pareil. Mais non! C'est l'anniversaire de ma femme. Mais non! Mais je t'assure. Et tu vois comment le hasard, il fait bien les choses. Il fait bien tu les vois, choses. Et là, comme par hasard, on se retrouve dans le même centre commercial. C'est ça, et franchement, c'est un truc de fou. Hein. C'est ça. Je suis parti, je lui ai pris ça, normal. Il est choqué. Il est choqué. Ah ouais, tu fais vraiment avec tes moyens. C'est le geste qui compte, c'est ça. Ouais, mais moi, tu vois, je lui ai acheté un truc, tu vois, ça, c'est un truc qui, c'est sa valeur, ça. C'est tu bien, vois, c'est bien. Tu vois ça, j'ai pété ma carte bleue. Ma carte bleue, je l'ai pété. Tu vois. Ça, c'est bien, c'est bien. Tu vois, c'est quelque chose digne, c'est un cadeau digne d'une top modèle, ce que j'ai pris. Tu vois. Ça, c'est un cadeau digne d'un être humain. Et il est vraiment fait pour moi, donc elle est vraiment magnifique. Elle mérite ce cadeau. Et bon, je sais qu'elle va aimer. Et toi? Ouais, je pense pareil. Hein. Salut, mais même demain, je pense. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va et toi? Bah, écoute, ça a été? Il y a eu trop de bouchons, donc je suis vraiment désolée du retard. Oui, bonjour, j'imagine, il n'y a pas de soucis. Bonjour, bonjour. Je te présente ma femme, d'accord? Enchanté. Jeff. Enchanté, monsieur Jeff. C'est un ami d'enfance. Bah, ça fait plaisir là, de vous on s'est croisés. D'ailleurs, joyeux anniversaire. Hein, il m'a dit que... Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Ah, c'est gentil. Je suis super contente. Bah, non, écoute, non, c'est magnifique. Bah, je vous laisse comme vous êtes retrouvés. Je vais t'attendre à la voiture. Non, mais avant de t'en aller... Je te remets ton cadeau, joyeux anniversaire. Mais c'est pour toi. Magnifique, merci. Mais ça fait mon plaisir. Chéri. Ça fait plaisir, c'est normal. C'est normal. Merci beaucoup. C'est normal. C'est normal. Je t'aime très fort. C'est normal. Bah, je t'attends à la voiture. Ok, ok, à tout à l'heure. Au plaisir, monsieur. À tout à l'heure. Enchanté, hein. À bientôt. On se dit à un de ces quatre. Un de ces jours. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à vous. Merci. C'est elle. Mais t'es sérieux là? Je suis sérieux. Sérieux de quoi? C'est elle ta femme? Mais oui, c'est elle ma femme. Mais je te connais avec des femmes encore plus classe que ça. Les gens changent. J'ai changé. Mais t'es ma. Hey, tu vas offrir des chouquettes, elle est contente. C'est les petites choses qui rendent le bonheur. Genre, salut, va, genre. Je t'écoute. Non, mais je t'ai pas content, honnêtement. Tu fais quoi là? Bah, je discute avec mon pote, je viens de le croiser là. Tu t'attends dans la voiture depuis tout à l'heure? Oui, je viens de te dire, je discute avec mon pote. T'as oublié que c'était mon anniversaire? Ah non, tiens, il y a le cadeau là. Je t'ai offert un cadeau. C'est ça mon cadeau? Bah oui. C'est quoi cet emballage? Oui. J'espère que tu m'as respecté. Non mais attends, on s'en fout de l'emballage déjà pour commencer. J'espère que tu m'as respecté. Ben comme toujours. Ben, du coup, je te présente mon pote. Je n'ai pas le temps. Il y a du monde à la maison. Je t'attends. Sinon, je me tasse. C'est elle ta femme? Ah, c'est elle. Et elle te respecte même pas. Frérot. C'est triste ce que je veux te dire là. Mais la vie ne se résume pas qu'à l'argent et la beauté de la personne. Ma femme, c'est pas une top modèle, mais elle me respecte ainsi que mon entourage. Certes, je lui offre des chouquettes, elle est contente. Sache que la beauté de ta femme, telle qu'elle soit, n'arrive pas à la cheville de celle de la mienne. Le bonheur ne se résume pas à l'argent ni au matériel. Moi, personnellement, je suis heureux avec ma femme parce que je l'aime. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas de ton côté. Ça me fait super mal de te voir comme ça.
Mais courage à toi pour la suite. Mais j'étais sérieux là. Même des chouquettes, des chouquettes, elle est contente. Donc franchement, tu dois vivre à l'enfer. Mais même une chouquette, elle est contente. C'est comme ça que je l'ai dû. Éduqué, là, les gars. Éduqué.